la enfant te perdina. Quand il n'y a mari pas la enfant te perdina. Nasana kamara muso dele kele wole ramanya mako sona kanya. Mire fama kele madiki dola. L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Wassoulou, l'Almami Samori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de geste d'Afrique. Ayame. Ayame. Kandara fa moriba fa manye kumala. Écoutez, écoutez fils d'Afrique, écoutez femme d'Afrique, écoutez aussi jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il y a des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sans de cela, l'Almami Samori Touré, empereur du Wassoulou, le roi de l'abbé l'illustre Alpha Yaya Diallo et Moribindian Diabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendue leur vie durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais, traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue dans toute sa gloire. Dembete kumano, dembete jamado kumano, fama ekere fadi. Nite na se kumala, nite na se kumala, nite na se jamado kumala, jamado kumati jeluluma, alioke fini. Ni te na se ke minala, ni te na se moju ke minala, ke minajulu de musuluma, aliyo ke fizi ni fini. L'hymne de l'empire du Wassoulou proclame. Si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes plus courageux. Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole au griot. Obama, le peuple te fait confiance. Il te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus. Que le di
Après l'audition d'un tel hymne, est-il besoin de vous présenter la mamie Samori Touré? Pour le camper, nous nous contenterons de quelques citations. Citations de ceux-là même qui l'ont combattu et qui ont essayé de salir sa mémoire. Dans l'histoire des colonies françaises, Méro s'écrit. Ses ennemis les plus mortels sont unanimes à reconnaître que l'Almami Samori ne violait jamais la parole donnée. De la force ajoute, la trahison n'était pas dans ses habitudes. Et Baradier poursuit. Il n'est pas exagéré de dire que l'Almami Samori s'est montré supérieur à tous les chefs noirs qui furent nos adversaires sur le continent africain. Il est le seul ayant fait preuve de qualité caractérisant un chef de peuple, un stratège et surtout un politique. Conducteur d'hommes, il le fut en tout cas, possédant l'audace, l'énergie, l'esprit de suite et de prévision et par-dessus tout, une ténacité inaccessible au découragement. Ali mami tura bara bara fasu makada kele dendole mani na mafile mase amato kolonkele kera tura kele sansafa kombi kilila tubabulu kala mikilila iboni yoro mendo wolulanila iwato yoro mendo wolo hamini imase yoro mendo wolu zilani ijo fama Ijula molu borira Kele kemansa ila kele baranya dunya bolo Ale mame tore barabara Badara sanya wadimino Tuba bulu kala wadimino Kumaka kele tiki wadimino Bada fina mitali wadimino La ila ila la mamadu rasulahi Kura biba kubara fesya matamo Jato kumamabo Kala galima woto wala jata Saya matafeto kela Kwa doto na moira, tabila kuka donyo. La nefala, tetirana, kon la nefala, atetirana, moridi tuyafo. La nefala, tetirana, kon la nefala, atetirana, moridi tuyafo. Kwa doto na moira, soma lona, urala lona nyati. Ah, dubakele, dubakele. Kwa doto na moira, soma lona, urala lona nyati. Mami Samori naquit vers 1830 à Binyambalando dans la région administrative de Kerouané. Dès son jeune âge, il fut un grand voyageur parcourant de nombreuses régions, accompagnant son père qui était un grand négociant. Un jour, Soribrama, un des nombreux chefs qui ravageaient la région à l'époque,
attaqua son village et enleva sa mère. Alerté, Samori alla trouver Soribirama et s'offrit comme esclave pour racheter la liberté de sa mère. Au terme de 7 longues années de captivité, au cours desquelles il apprit le métier des armes et compléta son instruction coranique, Samori recouvra sa liberté et celle de sa mère. Alors, il s'installa à Sanankoro, non sans avoir pris la ferme résolution de mettre fin aux querelles intestines qui ravageaient son pays. Déjà, il avait perçu le danger de la division et la grave menace que représentait pour l'avenir de son peuple le débarquement des troupes de conquête coloniale sur les côtes africaines. Grâce à sa bravoure et à son intelligence, de 1870 à 1875, il réussit à rassembler sous son autorité les multiples chefs de la région qui s'épuisaient en lutte fratricide. En unifiant le pays, il y ramena la paix et la prospérité. Musulman pieux, il fit construire partout des mosquées et détruire les fétiches. Il surveillait lui-même la scolarisation des enfants. 162 cantons groupés en 10 provinces composaient l'Empire. Son armée, remarquablement organisée, comprenait 10 corps et une garde d'élite campée à Bissandou, la capitale de l'Empire. Intelligent, intrépide cavalier, Kemebourema, son frère cadet, dirigeait l'armée. Thank you.
temeni mo bisa basana koda kele do sona fideka o berida. Thank you.
en 1881 que les troupes d'invasion coloniale se heurtèrent à celles de l'Allemagne à la frontière de ces États près de Kita dans l'actuelle République du Mali. Le 2 avril 1882 eut lieu la grande bataille de Woyoweyankong. Malgré l'intervention de l'artillerie coloniale, Kemeburema et ses hommes mirent les troupes coloniales en déroute. Cette victoire étendit le prestige de l'Almami tout le long des rives du Niger. Thank you.
après Woyowaye encore, les affrontements avec les troupes coloniales se succédèrent nombreux, violents et meurtriers. Sur tous les fronts, l'Almami ne laissa aucun répit à l'envahisseur. Il attaquait, traquait et frappait sans pitié. Face à la supériorité matérielle de l'ennemi, il utilisa la technique de la guerre populaire. Ses colonnes légères tenaillaient l'envahisseur, disparaissaient brusquement pour surgir de nouveau en pleine nuit, à l'aube ou en plein jour, semant la terreur dans les rangs de l'armée coloniale. Ainsi, par la guérilla, il fit successivement échec à Borny-Debor, Dalieni, Archina, Humbert, Combe et Bonnier. Seule la trahison devait venir à bout de son exemplaire ténacité. Jalaye ko sango, jalaye ko dula, jalaka bo jaladi, jalamakuna jaladi. Jalaye ko sango, jalaye ko dula, jalaka bo jaladi, jalamakuna jaladi. Jala jala wo, horo ya jala falefe, numasila konye. Dugata forake bagito nye wolu yibori lale kakwe doso jamori duwa kele mabori la tatuwa dono français que les sofas de l'Almami prirent pour des négociateurs pénétra par surprise dans son camp à Guélémo et le fit prisonnier. Celui qui, pour libérer sa mère, s'offrit comme esclave, celui qui pendant 16 ans lutta farouchement pour préserver la liberté et la dignité de son peuple, celui dont le seul nom se met la panique dans le camp de l'envahisseur, fut déporté au Gabon dans une île de Logoué, où il devait s'éteindre le 2 juin 1900. Moripinyan Diabaté, grand capitaine et grand conseiller de l'Armami, a été son fidèle compagnon des jours de gloire et des jours sombres. Volontairement, il suivit l'Almami dans son arbitraire exil gabonais. Après
après la disparition de celui qu'il s'était choisi comme ami, il ne retourna pas en Guinée, bien qu'il en eût la possibilité. Il creusa sa propre tombe à côté de celle de l'empereur, pour qu'après sa mort, on l'y enterra, démontrant ainsi à la postérité la valeur d'un serment et ce que doit être une amitié. Ils ne sont pas morts, ces héros, mais ils ne mourront pas. Après eux, d'audacieux pionniers reprirent la lutte de libération nationale qui, finalement, triompha sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, petit-fils de ce même Admami Samori. Le 29 septembre 1958, la révolution triompha, nous vengeant définitivement de cet autre 29 septembre 1898, date de l'arrestation de l'empereur du Wassoulou, l'Almami Samori Touré. Malora.